Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo blabla, mon duo, enfin duo trio plutôt je dirais, avec Alex et Catherine. Alex de la chaîne Alex et ses passions et Catherine n'a pas de chaîne. C'est cette magnifique toile que j'avais eu chez Vip Cross Stitch. C'est une toile qui fait 149 par 66 et c'est une 11CT. Et moi, je brode par ici. Elle est vraiment très très belle. Vous ne vous inquiétez pas, hein, c'est mon petit diamant que j'ai diamanté hier avant-hier. J'ai pas fini, donc je l'ai laissé sur ma table où je filme en bas, donc ça gêne personne. Je pousse parce que j'ai des diamants là. J'ai mis alors. Pardon, hop là. Alors, j'en ai brodé un peu cet après-midi et j'ai dit tiens, je vais faire la vidéo. Il est 20h, quelque chose comme ça. Il est 20h20. Et j'ai dit tiens, avant de regarder, je sais pas ce qu'il y a à la télé ce soir, je fais une petite vidéo avec vous. Alors. Là, j'ai un fil qui pend. Ah bah oui, c'est mon fil 18. Je disais, c'est quoi ce fil qui... Alors, attendez. Parce que comme j'avais plus de fil sur la cartonnette, j'ai pris les chevettes. Et donc, je vais le mettre là. Je crois qu'elle existe encore. Je vous mettrai le lien de la toile, je pense. Alors, voilà ce que j'ai fait. Ça avance, hein? Petit à petit, regardez-moi ça. J'ai fait ça, là. Tout ce rose. Attendez, je vous zoome. Je vous zoome, je vous zoome. Voilà, regardez. Elle est belle, hein? J'ai fermé plein de petits points et là je sais que j'ai laissé un point, c'est les flèches rouges, donc on va les faire ensemble, comme ça je vais fermer le point. Et les flèches rouges, c'est du 15, c'est numéro 600. C'est un joli rose comme ceci, magnifique. Alors mon aiguille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été. J'ai bien travaillé chez moi, j'ai fait à manger. Je me suis occupée des petits champignons que mon mari a ramenés. Normalement, il va peut-être y retourner demain. Ça me ferait plaisir. Alors, on y va. Là, je vais laisser un point ici. Là, tout seul. Donc, alors, je vais essayer de vous filmer plus près, que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et que je sois bien dans le champ. De la caméra. Voilà, il n'y a qu'un point tout seul. Je voulais le faire avant d'oublier parce que des fois les points ils sont cachés et on oublie et après on s'en rend compte quand la toile est lavée. Alors, il y a des points ici. J'ai regardé les vidéos de Gwen et de Laure là sur les. Ils appellent ça les 12 belles de Jingley. Nous on appelle ça les 12 épouses, mais c'est la même toile. Et qu'est-ce qu'elles sont belles. C'est vrai que je l'ai brodée aussi moi, mais c'est vraiment des toiles magnifiques. J'enlève mes lunettes parce que ça me gêne. C'est vraiment des toiles magnifiques.
peut-être reculer un peu, que vous ayez un champ de vision un peu plus large. Puis elle est agréable quand on est dedans, on n'arrive pas à s'en défaire en fait. Enfin, je sais que moi j'ai eu du mal à. À la lâcher. Je vais envoyer un message à Catherine pour savoir si elle a une petite avancée. Comme ça, je vous mettrai une petite photo après la vidéo. Après, si vous voulez voir l'avancée, vous irez voir la chaîne d'Alex. On brode la même avec Alex. Et par contre, Catherine, sa toile, elle est orangée jaune un peu et c'est en fil soyeux. Faudrait que j'y demande où elle l'a eu. Je crois que j'avais déjà posé la question la dernière fois, je m'en rappelle plus. Hop. Faudrait que j'y redemande. Alors là, il y en a. Hop. Mon point d'arrêt, comme d'habitude. Ara. Et je fais au milieu. J'ai pas pris ma grande perche, mais normalement, je suis bien en. Cadré, donc ça devrait y aller. Je vais essayer de faire attention, de bien vous montrer et de bien cadrer. Je crois que cette toile, vous l'avez vue en vlog, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Ah. Voilà, j'ai passé encore le fil en dessous. Elle est vraiment très agréable à faire. Je vais aller là. Par contre, par moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu décalé, pas beaucoup, légèrement. Donc, c'est pas trop gênant. Je vais remonter parce que là j'en ai deux. Elle est vraiment très très belle. De toute façon, hein, ces toiles paysages, elles sont vraiment magnifiques. J'arrête de regarder des vidéos de haul ou trucs comme ça, parce que sinon c'est la cata. C'est la catastrophe. Sinon je vais ouvrir une boutique de point de croix. C'est hallucinant. Vous avez vu, c'est joli. Hein, j'aime beaucoup cette couleur. En plus, c'est bien dans le thème de ce mois d'octobre. Donc, c'est impeccable. Je vais rebroder dessus sur ma toile d'octobre rose. Et depuis, j'ai pas retouché. Ça va faire quelques jours. Je tourne avec mes toiles. Je fais des tournicotis, des tournicotons. J'ai pas de jour particulier, par exemple, tel jour je fais ci, non, je tourne au gré de mon envie. Une que je brode plus régulièrement que l'autre, bah, c'est mon duo, enfin mon duo, oui, mon duo avec Isa. Mon projet avec Alex des 50 cases, tous les 15 jours qu'on fait le tirage au sort. Et mon duo avec Sylvie. Et comme je veux la terminer pour la fin d'année, donc je suis un petit peu plus dessus. J'ai très très bien avancé dessus d'ailleurs. Je suis très contente. Ça avance bien.
Une que j'ai pas retouchée depuis un petit moment, c'est ma jolie toile de chez Madame au chapeau là, de Art Créa Love, et ma toile paysage spring orange que je n'ai pas touchée depuis un petit moment. J'aime beaucoup ce rose fuchsia là. Très très beau. Normalement, je dois recevoir mon colis Temu. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que je l'aurai déjà reçu. Vraiment hâte. Il n'y a aucun loisir créatif à l'intérieur. C'est beaucoup, voilà, pour la fin d'année. Alors, est-ce que je vais pouvoir finir avec le si peu de fil que j'ai? Je ne sais pas. Oh, si, je vais faire doucement. Oui, impeccable. Hop. Et comme d'habitude, hop, mon fil à l'intérieur. Hop là. Et je coupe. Alors, attendez. Et je coupe à... On va continuer sur cette couleur. Allez, on reprend un fil. Ouais, je repense à la toile des 12 belles de Jingley, nous dit les 12 épouses. Gwen, de la chaîne Minimeux, Petite Croix en Pagaille, je crois que c'est ça sa chaîne. Elle n'a pas reçu le même kit que nous. Elle, elle l'a commandé elle-même. Nous, la plupart d'entre nous, on l'a eu en partenariat. Nous, la boîte est verte. Elle, la boîte est marron. Et les fils sont pas sur des cartonnettes. Vous savez qu'on n'aime pas, là, les cartonnettes blanches. Elle, elle a bien des cartonnettes spring. Et elle a bien des sachets avec des échevettes en plus. Et apparemment, les perles ne seraient pas les mêmes non plus. Alors, à voir. C'est vrai que... Parce que nous, on a tous reçu en partenariat la boîte verte. Hein. Et au début, j'ai même cru que c'était trompé parce que, en général, la boîte verte, c'est pour le 14 CT. Et non, 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 c'était bien du 11 CT. J'ai regardé... À plusieurs fois pour pas que je me trompe quoi, mais non, non. C'est la première fois que je brode sur une toile de couleur et c'est vrai que puis l'impression est vraiment. Ça va peut-être me retenter de refaire après sur une toile de couleur. Comme je l'ai dit, hein, ça se trouve, ils vont proposer d'autres modèles. J'aime tant entendre le bruit du fil passer dans les trous. C'est apaisant. Là, je suis en train de regarder une série sur Netflix
C'est une dame qui a disparu, qui était enceinte. Mais c'est un reportage. Comment elle s'appelle? Nancy? Lassie? Nancy? Je ne sais plus où ça se trouve exactement, dans quelle. Je marquerai de toute façon en barre de description si j'y pense le nom de la. Du reportage. Enfin, c'est. Ouais, c'est un documentaire. J'aime beaucoup, comme vous le savez, regarder les trucs policiers comme ça. Très intéressée par ce genre de choses. J'aime bien me mettre ça dans les oreilles et je fais autre chose. Par exemple, je fais la cuisine ou je fais. Ben, je regarde souvent des reportages comme ça. J'aime bien. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une émission sur les années 90. Ils relataient les chansons au-dessus des années 90. C'était sympa. J'aime bien. J'avais regardé aussi un reportage sur le collège Stanislas. C'est un collège très huppé dans la région parisienne. Je ne sais plus dans quel arrondissement. C'est très, ouais, c'est très intéressant. Mais c'est un peu. Très catho, hein, très. J'ai rien contre les. Voilà, c'est. C'est quoi les. Après, pour ceux qui sont. Qui sortent des grandes écoles, quoi, je veux dire. Après, ils vont être des députés, des chefs d'entreprise. Voilà, c'est. C'est intéressant. Moi, je suis ouvert à plein de choses et j'aime bien m'intéresser à ce genre de documentaire. Alors, est-ce que j'en ai par ici? J'en ai là-haut, donc je vais passer là-haut. J'en ai là. Et comme ça, après, je pourrais descendre. Là, j'en ai deux, trois. Hop. Il y a les films de Noël qui vont débarquer sur TF1. Moi, je pourrais en voir qu'un parce que comme je finis à 16h, au grand désespoir de mon mari. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je peux regarder en replay ou je peux regarder sur Netflix, je crois qu'il y en a déjà. J'adore. C'est un peu des films cucu, mais voilà, j'aime bien. C'est. Voilà, c'est. Des téléfilms à l'eau de rose, quoi. Moi, j'aime bien. Ça nous change de nos informations qui nous dépriment et qui nous. Hein, vous avez compris, quoi. Alors, on va aller par ici. Piquer. Piquer, piquer. Voilà, mon point d'arrêt. Hop. Parce que les informations en ce moment, c'est pas très, hein, pas très glorieux. Ils nous dépriment plutôt qu'autre chose. Après, je sais pas si change de couleur. Parce que je vois que j'ai des carrés bleus avec des traits verts.
J'en ai un peu à droite à gauche et je n'ai pas encore fait ça comme couleur. Je ne sais pas ce que c'est comme référence. Là, j'ai fait du rose, un peu de rouge et c'est tout. J'ai pas fait d'autres couleurs. On va regarder ce que c'est après sur la légende. Voilà, je vais finir mes deux points. Elle, Alec, je sais qu'elle a commencé en bas à gauche. Et Catherine, je crois qu'elle a fait comme moi en haut à gauche. Il me semble. Je vais pas dire bêtise, mais il me semble. Hop. Je vais regarder. Voilà. Et je coupe. Voilà. Alors, j'ai dit quoi? Des carrés bleus avec des traits verts. Et c'est du 19. Ah, bah c'est du rouge. C'est du 666. C'est cette couleur. Et ben, on va en faire. Couleur du diable. Alors. Je prends mon fil, je le mets en deux comme d'habitude. En ce moment aussi, je regarde beaucoup des retours de course et tout, pour me donner des idées repas aussi, j'aime bien. Ça vous a beaucoup plu la dernière fois, apparemment, je vous ai donné des recettes. Que comme des fois je fais mes vidéos un peu à l'avance, et ben je m'en rappelle plus des fois ce que j'ai dit dans les vidéos, mais c'est vrai qu'on avait parlé recettes. À midi, j'ai fait des champignons de la forêt, mon mari il a été ramassé, avec pommes de terre, carottes, bien revenir, et j'ai fait de l'escalope avec, c'était vachement bon, on s'est régalé. Et ce soir, j'ai fait une quiche maison. Comme ça, il reste à manger pour demain. Il n'y a rien à faire. Et ça, j'aime bien. Hop. J'ai envie aussi de me faire du chou, mais il n'y a que moi qui aime ça. Je crois que j'en ai acheté un, puis je vais congeler le reste. Un chou vert. J'aime bien. Avec des pommes de terre et puis des carottes. Alors, là, je vais couper à ras parce que... Voilà. On dirait pas, hein, qu'il y a du rouge, des reflets rouges. Il est où le modèle? Il est là. Pour donner des... Ah oui, pour donner un petit peu des dégradés dans les fleurs, vous avez vu. Enfin, dans l'arbre, pardon. Je vous montre à côté. Vous voyez là. Ici et ici. Ouais. Je vais vous zoomer un petit peu. On va faire encore quelques points. Et puis je pense que je vais vous laisser là. Après je vais... Ah non, ma machine, je crois que je l'ai déjà mis. J'ai déjà préparé. Pour qu'elle tourne cette nuit. Et je vais aller manger un petit yaourt. Moi, j'aime bien manger un petit yaourt après le repas, tranquille, devant la télé.
C'est un très joli rouge. Ah, puis il m'est arrivé une mésaventure aussi, ça fait longtemps, j'ai cassé une aiguille. Je me disais, je brodais. Qu'est-ce que je brodais déjà? Ah oui, l'European Town. Et je me dis, c'est bizarre, dit, j'arrive pas à mettre l'aiguille. En fait, elle était coupée là. Vous voyez là, au chat de l'aiguille. Et ben là, elle était coupée en deux. Quick. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Très très longtemps. Mais bon, l'aiguille, je crois bien que c'est la première aiguille que j'ai depuis que je fais l'European Town. Alors, ben, ça m'a fait bizarre de casser l'aiguille. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez cette toile et si vous la brodez. Elle est vraiment très très belle. De toute façon, les toiles que je brode, hein, si je dis pas qu'elles sont belles, c'est voilà, c'est, je suis obligée de dire qu'elles sont belles parce que je les ai choisies, donc c'est qu'elles me plaisent. Mais après, on peut être déçu des fils, on peut être déçu. La texture de la toile, des points, la toile, comment elle est imprimée, c'est sûr que là on peut être déçu. Oui, je ne suis pas déçue du tout. Je suis ravie. Dézoomer. Voilà. J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Moi, je remercie encore Alex et Catherine pour leur petit trio avec moi. J'essaye d'envoyer un message à Catherine pour qu'elle m'envoie une photo de son avancée et je vous la mettrai après la vidéo. Ou pendant, ou je sais pas comment je vais m'organiser. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et à dans un mois pour la suite de cette toile. Et vous la verrez dans le costume du mois d'octobre. Voilà, moi, je vous embrasse. Bye bye tout le monde.